Vous allez voir, j'ai fait des placements qui sont pas vraiment traditionnels dans la mesure où je marque pas le rythme basse accord à suivre, tout ça. Je place mes basses et mes accords un peu en fonction d'une harmonie, quoi. Surtout dans la première partie. Alors voilà, je vous le fais d'abord comme ça pour que vous puissiez appréhender un peu. Voilà. Et la dernière partie, on va plus s'intéresser au côté de la danse. C'est-à-dire à un moment donné, il y a un blocage dans la danse, il faut qu'on le signifie aussi musicalement. Ça va faire sur le deuxième temps.